C'est notre rubrique du lundi. Vous le savez, tous les lundis, on s'intéresse à un organe dans notre rubrique Comment ça marche Et aujourd'hui, c'est le foie qui est au sommaire avec le docteur Gérald Kierzek. Le foie, -ce que vous nous disiez tout à l'heure que la crise de foie, d'ailleurs, n'existait pas. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le foie ben, Le foie, c'est l'organe le plus gros du corps. Donc, ah bon c'est un organe essentiel qui se situe sous le diaphragme à droite, un peu sous les côtes à droite. Donc, le foie, c'est à droite, Jean-Marc, le ouais. son d'anatomie. Euh, c'est un organe qui est gros, ça fait 1,5 kg. À à peu près, et chaque minute passe. Plus de 1 litre de sang, c'est une éponge, c'est un rôle de filtre, et tout le sang de votre organisme, il part du cœur, organe ouais. essentiel aussi, il va circuler, il va remonter par le foie, par l'artère la, hépatique et par la veine porte, et ensuite il est filtré, et on va voir que le rôle est, est essentiel, un sang-foie, on ne peut pas vivre, et cet organe-là va filtrer le sang qui repart ensuite dans la circulation. Mais c'est un organe fondamental, alors on utilise le terme crise de foie, allez, on balaye une idée reçue tout de suite, la crise de foie, vous savez quand vous avez un petit peu trop oui, mangé le trop lendemain, mangé, Trop bu, oui. ça n'existe pas c'est une définition très française un peu populaire mais la crise de foie il n'y a pas d'argument médical pour dire là vous avez ou d'examen médical pour dire là vous avez une crise de foie ou là vous n'avez pas de crise de foie c'est pas une infection c'est pas c'est ni une hépatite puisque l'infection du foie l'infection ah, virale oui, c'est l'hépatite hein, puisque mmh. c'est ça c'est l'inflammation si on fait un peu de, euh, de vocabulaire hépatite toujours pareil Julie le suffixe it c'est inflammation du foie hépatite euh, donc la crise de foie c'est pas une hépatite la crise de foie c'est peut-être un engorgement éventuellement mais en tout cas il n'y a pas d'examen qui permet de dire là vous avez une crise de foie ou pas, c'est quand on a un peu trop mangé, un peu trop mangé de graisse notamment ou de sucre, parce que le foie, un de ses rôles, c'est justement d'aller filtrer, d'aller stocker les graisses et le sucre. Le premier rôle du foie, c'est un rôle de stockage, donc le sang va arriver dans le foie, il est stocké, le glucose est stocké sous forme de glycogène qui sont des réserves, et quand vous en avez besoin, ça va être relargué dans l'organisme, quand vous avez un peu une baisse du taux de sucre, une baisse de la glycémie, et eh bien on a un mécanisme de régulation qui fait que cette glycémie va augmenter, c'est le foie. Super. Qui s'occupe de cette régulation-là. C'est pour ça que l'hypoglycémie, ça n'existe pas. Chez le sujet qui n'est pas diabétique ou qui n'a pas de médicaments qui font baisser le taux de sucre, l'hypoglycémie n'existe pas. Quand vous avez un petit coup de mou à 11h le matin, votre foie va compenser et le sucre va, euh, va être fait, relargué euh, à partir du glycogène. Pareil pour les graisses. Alors, les graisses, j'allais dire, mais de toute façon, il stocke les graisses, mais il en fait quoi au bout d'un moment Sous forme de triglycérides, et c'est pour ça que quand il y en a trop, bah, vous pouvez avoir des voilà. vraies surcharges graisseuses, ce qu'on appelle la stéatose au niveau euh, du foie. Mais théoriquement, c'est une balance, c'est une régulation entre le sucre, les graisses. On stocke et puis on va libérer dans l'organisme en fonction des besoins de, de l'organisme. cest tout au long de la journée, le foie en li permanent. libère en fonction de, de vos baisses de forme. C'est une véritable, si on veut prendre une image, c'est une usine de transformation. Ça va stocker les sucres, les graisses qui proviennent de la digestion, qui passent dans le sang au niveau du tube digestif et qui vont être filtrés par le foie. Un autre rôle, c'est que le foie a un rôle capital dans la fabrication d'un certain nombre d'éléments du sang. Et je pense en particulier au facteur de coagulation. Les gens qui nous écoutent et qui prennent des antivitamines K connaissent bien ce rôle-là. Les antivitamines K, c'est des médicaments qui vont fluidifier le sang parce que ils vont empêcher bloquer la synthèse des facteurs de coagulation au niveau hépatique, euh, des facteurs de coagulation qui sont indispensables quand on a une coupure, quand vous vous blessez pour que cette coagulation qui réalise, qui se réalise. Donc la vitamine K qui est absorbée par voie digestive, le foie vont fabriquer ces facteurs de coagulation qu'on peut bloquer par des médicaments. Mais moi je crois que c'était juste un filtre en fait, c'est beaucoup plus que ça. Alors, ça fabrique beaucoup de choses. Ouais. C'est un filtre, c'est un filtre, donc qui dit filtre dit détoxification aussi, et on a des globules rouges, ces globules rouges sont détruits par la rate et vont relarguer un certain nombre de choses, notamment l'hémoglobine, et cette hémoglobine elle est transformée en bilirubine, cette bilirubine, bilirubine. Elle, est, elle, elle est toxique cette bilirubine, c'est-à-dire qu'en permanence vous fabriquez des produits toxiques, et grâce au foie cette bilirubine va être détoxifiée, donc là aussi c'est un rôle de, de filtre intelligent et d'usine de transformation, et sans foie on ne peut pas vivre, c'est-à-dire que les gens qui ont une hépatite, y a, y a... c'est quoi les hépatites je, je peux pas... Alors, Il y a les hépatites qui sont les hépatites qu'on connaît tous, A, B, C, ouais. qui sont infectieuses virales, mais il y a beaucoup d'hépatites, notamment médicamenteuses. Quand vous prenez des médicaments, les médicaments, ils sont transformés là aussi par le foie. Ah oui, et, ils sont euh, filtrés par le foie. Ils donc... nous de ouais, certains médicaments. Et un des premiers médicaments hépatotoxiques, hépatotoxiques, c'est-à-dire néfastes, toxiques pour le foie, c'est le paracétamol. Vous savez, le, ah bon le doliprane que vous prenez, au-delà de 6-8 grammes par jour, vous savez que la dose, c'est 4 grammes. On prend euh, ouais. 4 grammes de paracétamol quand on a euh, la grippe, quand on a mal à la tête. Mais au-delà de 8 8 grammes, c'est toxique et au-delà de 12 grammes, c'est mortel. Donc, la première cause d'hépatotoxine, une des premières causes médicamenteuses, c'est le doliprane, tout simplement, qu'on trouve euh, en, en vente libre. Euh, dans, et et c'est un médicament qui est très toxique pour le foie. Donc, les hépatites médicamenteuses, c'est une autre catégorie de maladies. Il y a plus de 100 formes de maladies qui touchent le foie. Forcément, tout passe par le foie. Donc, euh, que ce soit des produits toxiques, des médicaments, l'alimentation, les virus, tout ça va se focaliser. Et puis, il y a l'alcool. Évidemment, l'alcool qui cause la transmission formation des cellules et la transformation bah, c'est la cirrhose ça veut dire que le foie n'est plus capable de faire son rôle tous les rôles qu'on a cités et va se fibroser et cette fibrose ça veut plus... dire quoi fibroser fibroser ça veut dire que c'est une cicatrisation c'est une cicatrisation c'est des fibres mais qui ne remplissent plus le rôle d'usine de transformation bref votre foie ne devient plus fonctionnel et si vous êtes au stade de cirrhose c'est un stade irréversible quand ah bon vous êtes encore Alors, avant si on arrête stades... l'alcool ça, ça revient pas non une fois que vous êtes au stade de cirrhose alcoolique ou de cirrhose liée à d'autres causes malheureusement heureusement, ce n'est plus réversible. Et la seule manière de retrouver des capacités fonctionnelles du foie, c'est la greffe hépatique, la transplantation hépatique. Oh, Donc oh. la cirrhose, c'est vraiment le stade ultime quand le foie ne fonctionne plus avec euh, bah, la, la cirrhose alcoolique, hein, qui est un des oh. premiers, euh, une des premières complications de, de l'alcool. C'est vrai que c'est pas douloureux, la cirrhose, qu'on s'en rend pas compte. Non, -ce que On ne se le sent pas. Alors on a le foie qui augmente de volume. veut vrai, on dirait, oh, tu as le foie qui a augmenté de volume. Mais quand on a déjà un foie augmenté de volume, c'est qu'on est déjà à un stade important de transformation de ce foie-là. Il n'y a pas de douleur particulière. Par contre, il y a des complications qui sont redoutables. Je vous disais que le foie, c'était notamment un organe qui participait à la, à la coagulation sanguine. Les gens atteints d'une cirrhose hépatique, eh bien, ils ont les facteurs de coagulation qui sont très effondrés, et donc, du coup, ils vont avoir des hémorragies, des risques de saignement. Et puis, il y a une complication redoutable, qui est le carcinome hépatocellulaire, le cancer du foie, qui là aussi est une des complications de, de l'alcool, mais pas que de l'alcool. On fait des grèves de foie On fait des transplantations hépatiques à peu près 1000 par an qui sont réalisées. C'est quoi la différence entre grève de foie et transplantation hépatique C'est pareil, la transplantation hépatique ou la grève de foie, c'est. C'est le mot pour se la péter, quoi, c'est tout. Alors, il faut. Ouais, faut transplantation, c'est même pas se la péter. Transplantation c'est un nom assez commun. Et c'est parfois la seule manière à ces gens de survivre. Parce que autant le rein, on peut avoir une épuration extra-rénale, autant le foie, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est simplement la transplante. Enfin, simplement, c'est une opération, oui, qui est devenue relative, banal euh, techniquement chirurgicalement avec les immunosuppresseurs pour éviter les rejets c'est devenu relativement simple ou en tout cas on maîtrise les techniques le problème c'est le problème des greffons on a très peu de donneurs très peu de, de foies euh, qui sont euh, transplantables chaque année et ça veut dire que les listes d'attente euh, augmentent euh, de manière importante est ce que est ce qu'on peut savoir si on a un foie en bonne santé est ce qu'un examen un oui, examen alors, sanguin ou quelque chose les... si on veut savoir si... les... parce que les... c'est tellement important euh, visiblement d'après ce que vous nous expliquez ce matin est ce qu'on peut savoir Savoir si on a un bon foie. Alors, les, les examens qui sont pratiqués, déjà, il y a l'examen clinique de votre médecin, le fait de palper votre foie, on peut déjà ah oui, toucher un certain nombre de choses au, au toucher. Et puis, il y a des examens sanguins, les transaminases qu'on vous fait. Euh, les transaminases, ce sont les enzymes hépatiques. Donc, c'est ce qui permet de vérifier le bon fonctionnement du foie, ou en tout cas, quand vous avez une hépatite, vous avez les, les transaminases qui sont très augmentées. Mm -hmm. Les gamma-GT, les phosphatases alcalines, ce sont autant de, de marqueurs hépatiques. Et puis, les facteurs de ça coagulation. Ça, c'est avec une prise de sang, alors. Ça, c'est une ça, prise ouais. de sang. Les facteurs de coagulation, si vous avez un foie qui qui fonctionne bien. Vous avez des facteurs de coagulation qui sont un pourcentage quasi euh, euh, proche de 100%. Et ça, ce sont des témoins indirects du fonctionnement euh, du foie. Mais il y a aussi la bilirubine dont je vous parlais. C'est un fonctionnement. On en parlera dans un comment ça marche euh, dans les prochaines semaines. Mais la vésicule biliaire qui est juste sous le foie, qui est intimement liée en termes de fonctionnement, la bilirubine permet de vérifier le bon fonctionnement de Donc du, est la du du prise foie. de sang, vraiment qui, qui prise est de capital. sang. Et puis après échographie, scanner. Mais ça, ce sont des examens morphologiques qui permettent de voir quelle est la forme du foie.